On passe à l'exercice numéro 3 sur 2,5 points et concerne la désintégration du plutonium 238. Donc, c'est une partie des transformations nucléaires. Donc, je vais lire l'énoncé. Le stimulateur cardiaque, pacemaker, donc, est un dispositif qui, une fois implanté dans l'organisme, fournit des impulsions électriques destinées à stimuler les muscles cardiaques. Ces impulsions permettent d'accélérer la pulsation du cœur lorsqu'il est trop lent. Certains stimulateurs cardiaques fonctionnent à partir de l'énergie libérée lors de la désintégration alpha des noyaux du polonium 238. Les données ici donc importantes pour le moment, c'est que le polonium donc 238 il est radioactif et le type de désintégration c'est alpha. Alors cet exercice propose d'étudier un stimulateur cardiaque au plutonium 238. Les données, on a essayé des noyaux, donc le protactinium 238, l'uranium 234, l'uranium 238, neptunium donc 238 et plutonium 200. Et pour chaque noyau, on donne le symbole. Donc le symbole d'un noyau dans la physique nucléaire en général, c'est XAZ, c'est-à-dire le numéro ici à gauche en bas représente Z, c'est le nombre de protons. Par exemple, ici, donc, le protactinium, il a 91 protons. Et le nombre à gauche, en haut, 238, ici, par exemple, c'est le nombre de nucléons. Et c'est quoi un nucléon? Un nucléon, soit c'est un proton, soit un neutron. C'est-à-dire, c'est l'ensemble. Donc, c'est tout ce qu'on a dans le noyau, c'est 238 nucléons. Et c'est donc la même chose, on a appliqué la même chose pour les autres noyaux. La première question, c'est écrire l'équation de désintégration alpha du plutonium 238 en identifiant le noyau fils. Alors, pour écrire cette équation-là, donc tout d'abord, on écrit les symboles des particules qu'on connaît et on reste le reste, on l'écrit en sous forme de X. Il est inconnu. Par exemple, ici, on connaît que le noyau radioactif, c'est le plutonium 238-94 qui va se désintégrer selon le type. Il y a le processus alpha qui va donner ici la particule alpha, donc c'est le noyau d'hélium dont les caractéristiques sont Z égale à 2, A égale à 4, plus un noyau fils, XAZ, qui est inconnu pour le moment. Donc on ne connaît ni A ni Z pour le noyau fils, et PU c'est le noyau père. Pour connaître le noyau fils, pour identifier le noyau fils, on doit déterminer Z. Donc, surtout en déterminant Z, donc on peut identifier le noyau fils. Mais pour connaître complètement le noyau fils, on va déterminer aussi la valeur de A. Alors, d'après la loi de conservation d'Ossode, donc si on utilise la loi d'Ossode, même si les calculs apparaissent donc évidents, et c'est A, c'est directement, je peux dire que c'est 234, Z, c'est 92, mais il faut appliquer la loi d'Ossode. Alors, la loi de CD, donc, on a deux lois de conservation. Conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire conservation des A. Qu'est-ce qu'on écrit? 238 égale à A plus 4. Et on tire la valeur de A égale à 234. Donc, si c'est 238 moins 4. Conservation du nombre de charges, ou bien le nombre de protons, Z. On a 94 égale à Z plus 2. On tire que Z égale à 92. Alors, en cherchant dans le tableau qu'on a de données, donc, si on revient au tableau, donc, le noyau qui a la valeur Z égale à 92, donc, on a donc, le noyau d'uranium. Donc, uranium ici, on a 92 et ici, on a 92. Mais ici, on a A égale à 234 et c'est A égale à 238. Donc, non, le noyau fils ici, c'est U de 92-234. Donc, c'est un noyau d'uranium. Donc, les deux noyaux ici sont isotopes puisqu'ils ont même nombre Z, mais il diffère par le nombre de nucléons. Pardon. Donc, le noyau fils est l'uranium 92-234. Donc, l'équation, on réécrit l'équation de la transformation. Le protactinium, donc P238-94, se désintègre en donnant le noyau fils, l'uranium 92-234, plus le noyau d'hélium 2,4. Donc le type de désintégration, c'est une désintégration de type alpha. Deuxième question, la courbe de la figure ci-dessous représente l'évolution de l'activité A de T d'un échantillon de plutonium 238
présente dans un stimulateur cardiaque. On choisit l'instant d'implantation de ce stimulateur dans l'organisme d'un patient comme origine des dates. Donc, on implante donc un stimulateur basé sur la désintégration du plutonium donc dans un organisme. Donc, le suivi de l'activité de cet échantillon-là implanté donc dans la courbe suivante. Question 2.1. Déterminer graphiquement la demi-vitesse 1/2 du plutonium 238. Donc, ici, donc, il faut se rappeler de la définition de la demi-vitesse 1/2. Donc, c'est la durée nécessaire pour que le nombre de noyaux initialement présents dans l'échantillon soient désintégrés. C'est-à-dire que l'activité soit divisée par 2. Donc, à l'instant T égale T1/2, on aura l'activité divisée par 2. C'est égal à A0, l'activité initiale, sur 2. On fait le calcul. Donc, on cherche donc A0 ici. Donc, je cherche d'abord A0 d'après le graphe. A0 donc égale 10 à la puissance 11 BQ. On divise A0 sur 2 pour chercher A à l'instant T1/2. Donc, ça donne 5 qui multiplie 10 moins 2. On cherche donc par projection sur l'axe de temps. On trouve tout d'abord, on cherche cette valeur-là, 5, 10 à la puissance 5, 10 à la puissance 10. C'est A0 sur 2, donc il est là. On va faire la projection sur la courbe, puis la projection sur l'axe de temps. Et on trouve que T1/2, bien la demi-vie, égale à 88 ans. Car pour chaque petite division, représente 8 ans. Question 2.2. On déduit que la valeur de la constante radioactive lambda est lambda égale à 7,91 10 à la puissance moins 3 en moins 1. Car dans le système international, donc l'unité de la constante radioactive, c'est seconde moins 1. Or, on utilise la relation entre lambda et ln, ln2 et t1/2. Lambda égale à ln logarithme hyperien de 2 sur t1/2. On fait l'application numérique. Donc, lambda, c'est ln2 sur 88. Donc, ça sera 7,88 10 à la puissance moins 3 en moins 1. Trouver le nombre N0 de noyaux de plutonium 238 présents à T égale à 0 dans ce stimulateur cardiaque. On prend un an égal à 365 jours. La question sur 0,5 points. Donc, pour chercher, donc, on a l'activité à 0. On cherche le nombre à 0. Donc, toujours, il faut chercher une relation de Lucour qui lie ce qu'on demande à ce qu'on a. Donc, on a à 0, on cherche N0. Et on a lambda, la valeur de lambda. Donc, et on sait que N0, lambda et A0 sont liés par une relation. Donc, c'est A0 égale lambda fois N0. Mais il faut faire attention, il faut être très attentif à l'application de cette relation-là. Et si lambda doit être en seconde moins 1, c'est obligatoire parce que BQ, c'est seconde moins 1. Donc, N0, ce sera A0 sur lambda. Sera lambda, on remplace lambda par ln2 fois t1/2. Donc, il vaut mieux utiliser t1/2 pour la conversion. Donc, il vaut mieux convertir en et ne pas convertir en moins 1. Ça sera mieux. Mais normalement, c'est la même chose. Donc, N0, c'est 10 à la puissance 11. C'est A0 sur ln2 qui multiplie 80. Donc, T1/2, c'est 88 ans. On va convertir l'an en jour. On va multiplier par 365. On va convertir le jour en heure. On multiplie par 24. Et on va convertir l'heure en seconde. On va multiplier par 360. Et on n'aura que le nombre initial d'ions plutonium présent dans l'échantillon est 4, 10 à la puissance 20. Alors, on considère que ce stimulateur fonctionne de façon efficace lorsque le nombre de noyaux de plutonium 238 qui se désintègre ne dépasse pas 30% du nombre de noyaux présents dans l'échantillon à T égale à 0. C'est-à-dire que pour changer donc le stimulateur, donc il faut attendre jusqu'à donc il faut que le nombre soit supérieur, donc le nombre ne va pas descendre. Se désintègre ne dépasse pas 30% du nombre de noyaux présents sur un instant égal à 0. Donc la question, c'est déterminer en an la durée maximale Tmax du fonctionnement efficace du stimulateur cardiaque. C'est-à-dire que le stimulateur ne peut pas travailler ou bien fonctionner jusqu'à vie. Donc il a une durée donc de vie. C'est-à-dire qu'il a une durée maximale de fonctionnement Tmax qu'on doit chercher. On a la donnée ici. La donnée, c'est que le nombre de noyaux de plutonium qui se désintègrent ne dépasse pas 30%, c'est-à-dire le nombre de noyaux désintégrés. Le nombre de noyaux devenus plus stable ne doit pas dépasser 30%. Donc, on va
Donc c'est une phrase ici qu'on va réécrire mathématiquement. Donc le stimulateur fonctionne de façon efficace, c'est ND, c'est un ordonnée désintégré, doit être inférieur à 30% fois N0. Donc ne doit pas être inférieur à 30% du noyau, c'est-à-dire 30%, c'est-à-dire 0,3 fois N0. Ou bien, on peut utiliser le nombre de noyaux, le nombre de noyaux restants. Donc le stimulateur fonctionne bien si le nombre de noyaux qui ne sont pas encore désintégrés, c'est le nombre de noyaux restants, il est supérieur ou égal à 70% fois N0. C'est-à-dire que N supérieur ou égal à 0,7 fois N0. Donc soit on utilise ND ou bien N, il donne la même chose. Donc il faut juste seulement remplacer par l'expression convenable. Donc avec quoi ND, le nombre de noyaux désintégrés, égal à N0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda t, mais N, le nombre de noyaux restants, c'est N0 exponentielle moins lambda t. C'est-à-dire que ici, c'est le nombre de noyaux radioactifs qui ne sont pas encore devenus stables. À t égale t max, on aura ND max, ND de t max, qui est égal à N0. Donc, je vais utiliser la première expression de ND, le nombre de noyaux désintégrés, à l'instant t égale t max. Et ici, au lieu d'écrire inférieur ou égal, donc je vais la rendre comme égalité. Donc, ce sera ND à l'instant t max, c'est là, égal à. Je remplace ND par l'expression dans le cours, c'est N0 exponentielle moins lambda t max, égal à N0, 0,3 fois N0. Je simplifie par N0, elle reste 1 moins exponentielle moins lambda t max, égal à 0,3. C'est-à-dire l'exponentielle moins lambda t max égale à 1 moins 0,3 qui est égal à 0,7. Et pour se débarrasser de la fonction exponentielle, donc je vais utiliser la fonction réciproque, c'est ln. Donc ici, ça sera moins lambda. Donc on introduit la fonction ln des deux côtés. On aura moins lambda, moins lambda t max égale moins ln, égale ln 0,7. C'est-à-dire, si j'élimine le moins ici, donc il devient ici le moins. Donc, lambda t max égale à moins ln 0,7. Donc, je tire t max, c'est moins ln 0,7 sur lambda. Je remplace lambda par ln de 2 fois t1 demi. Et je fais l'application numérique. T max égale à moins ln de 0,7 sur ln de 2 fois 88. Donc, ça sera 85,48 ans. C'est-à-dire, ici, j'ai utilisé la valeur de t1 demi en an. Et j'aurai le résultat aussi en an. C'est 45,48 ans. Mais c'est la fin de cet exercice-là.